Bon, me voilà. Nom de Dieu! Évitez de me faire des frayeurs comme ça! Vous avez trouvé quelque chose sur Sarah, la femme que j'ai mise dans votre hélico? Non, rien. Rien? Attendez du calme, il me faut du temps, d'accord? Je risque gros à vous aider. Si on découvre ce que j'ai fait au QG, tous ces types armés là-bas, vous ils exécutent les ordres. Faites tous partie de la même équipe, écoutez, pour Brian. Oui, je sais que c'est l'image que ça donne. Écoutez, j'ai pas le temps de vous expliquer maintenant, mais. J'ai besoin de votre aide. Mon aide à moi? Oui, prenez ça. C'est un enregistreur de longueur d'onde et un traceur GPS. J'ai besoin que. Le temps presse. Merde, je connais même pas votre nom. Deacon St. John. Mais écoutez, Deacon St. John, si vous voulez que je risque ma peau pour en savoir plus sur Sarah, alors oui, j'ai besoin que vous me rendiez service. Ok. Gardez bien ce talkie. Je vous contacte dans quelques minutes. Vous connaissez même pas mon nom, mais vous l'apprendrez avant qu'on en ait fini, O'Brien. Et gardez précieusement ce talkie. Il m'a pas quitté une seconde, espèce d'enfoiré. Bordel de merde, il va me faire poireauter encore longtemps. Allô? Deacon, vous êtes là? Ouais, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous voulez quoi? J'ai mis un bloqueur sur ce canal. Il est sécurisé. Vous voulez quoi? J'ai envoyé une série de coordonnées vers votre radio. J'ai besoin que vous vous rendiez sur place et... Quoi? Pourquoi? Écoutez-moi. Plusieurs groupes d'intervention sont en mission sur le terrain. J'ai besoin de savoir ce qu'ils font. Pourquoi vous leur demandez pas? Impossible. Écoutez, c'est une longue histoire et j'ai pas le temps de vous la raconter pour l'instant. Disons que des gens haut placés lancent des tas de missions sur le terrain, indépendantes les unes des autres. Les équipes ignorent ce que font les autres. Donc c'est l'apocalypse et vous continuez de faire vos magouilles comme si rien n'avait changé. Où c'est? Je vous ai envoyé les coordonnées. Oh putain, O'Brien. Bon, ok. Je vais voir ce que je peux faire. Essayez d'en rejoindre un maximum. Il y a des sites d'atterrissage actifs, des emplacements de dépôts d'échantillons. Ouais, j'ai saisi. Et vous avez intérêt à avoir des infos pour moi, O'Brien. Ouais, j'ai saisi aussi. Je vous recontacte. O'Brien, terminé. Drifter. O'Brien. Ouais, je suis là. Qu'est-ce que vous... L'un de nos hélicos se dirige vers votre position. Vous devez le suivre. Le suivre? Pourquoi? Allez-y, ne le perdez pas de vue. Ok. Qu'est-ce qui se passe, O'Brien? Vous pouvez me dire pourquoi je poursuis des hélicos dans le No Man's Land? Leur destination est top secrète. J'ai pas accès à leur dossier. Donc je peux pas vous donner les coordonnées du site d'atterrissage. Vous devez les suivre. Putain, mais vous avez pas... Je sais pas, moi, les satellites espions, ce genre de truc? Pas personnellement, non. Je vous l'ai dit, je sais pas. Accès, ouais, j'avais entendu. Ne les perdez pas. Oh, vite. Je peux pas les laisser me distancer. Ils ralentissent. O'Brien, ils atterrissent! Bien. J'ai leurs coordonnées grâce à votre radio. Vous feriez mieux d'y aller à pied. À pied! N'oubliez pas, ils ne doivent pas vous voir. Brian, j'y suis. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Chacune de ces unités de recherche possède un scientifique protégé par des gros bras. Il faut que vous vous approchiez du chercheur. L'enregistreur de longueur d'onde est réglé sur la fréquence d'enregistrement de nos données. Il enregistrera tout ce qu'il fait. Ok, donc vous me demandez d'infiltrer un site grouillant de soldats armés jusqu'aux dents qui tire à vue, tout ça pour que vous puissiez espionner un putain d'intello? Un putain d'intello? Espèce d'ignare, on a des doctorats, connard. Ouais, ben ce que je retiens du doctorat, c'est qu'il y a rat dedans.
Vous avez gardé les traceurs que je vous ai donnés? J'ai pensé à les revendre, mais personne ici a accès à ce genre de matos. Vous savez, les satellites. Posez-en un sur leur hélico. Quasiment toutes ces missions marquent un arrêt non consigné dans le plan de vol. Je veux savoir où ils vont. O'Brien. Inutile de demander. Je suis déjà en train de fouiller les archives pour savoir où les réfugiés ont été évacués. Terminé. C'est sûrement là. Qu'est-ce qu'ils fichent ici, Insultiste? Je le sais. De terrain 2071. Le contrôle des pièges sur le site 14 Alpha a confirmé la présence d'un sujet mâle de grande taille affichant une mutation albinique. Comme prévu, le sujet arbore une dépigmentation dermique et des yeux rouges. Sa masse musculaire semble être 40% supérieure à celle des sujets infectés standard. Ceux que vous appelez les albinos existent bel et bien. Même s'il ne s'agit que du troisième sujet que nous pouvons étudier, en raison de la force et de la résistance évoquée qui les rendent particulièrement dangereux, d'autres notes de terrain font état de plus de 1000 spécimens repérés dans cette région. Quelle que soit l'origine de cette mutation, elle se répand. Là-bas. C'est quoi ce bordel, O'Brien? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Vos petits copains ont éviscéré un mutant. Il était encore en vie. Ce ne sont pas mes petits copains. Qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est pas ce que vous faites, vous autres, Drifter? Vous tuez les infectés contre de l'argent. Ou du moins, ce avec quoi vous faites du troc. C'est vrai, je tue des mutants. Mais je les débite pas vivants et je les écoute pas hurler de douleur. Vous avez mes données? Ouais, je vais vos données. Ok, je lance le chargement. Je vous rappelle. Terminé. O'Brien! O'Brien! Oh putain, il me refait le coup! O'Brien, répondez! Si vous avez intérêt à me recontacter, O'Brien! Des embuscades sur les routes du coin. Ici Radio Libre Oregon. La vérité vous libérera. Je vous annonce le cœur lourd qu'on déplore 6 morts et 2 blessés dans mon camp cette semaine. Et c'est pas dû aux saloperies habituelles. Non. C'est ces putains d'hélicos noirs. Je vous le dis, tous les trucs contre lesquels je vous avais mis en garde, ils sont en train d'arriver. Ces fameux hélicos ont descendu tout un groupe d'hommes et de femmes qui suppliaient qu'on leur laisse la vie sauve. Des citoyens de ce pays. Ils les ont massacrés. Les hommes ont riposté. Dirige de mon chemin! Merde. Et ils ont pas dit leur dernier mot, ces enfoirés. Vous traquez jusqu'au dernier. Nous, les connards qui avons une culotte de survivre et de perturber. Petit projet. Ils s'éliminent pour les frères, pouvoir sortir de leur trou de souris. Restez vigilants, les amis. Et surveillez le ciel. C'était Marc Copland pour Radio Libre Oregon. Ne gobez pas les mensonges.